est à dire que dans le monde où nous sommes, nul ne peut se vanter de se passer des hommes. Il est bon de le répéter, car en toute humilité, c'est la vérité. Pour avoir du pain dans le garde-manger, on a besoin du boulanger. Pour arroser le potager, on a besoin du jardinier. Pour se payer de la crème fouettée, on a besoin du pâtissier. Pour mettre du plâtre et du mortier, on a besoin du plâtrier. Pour porter des lettres à l'improviste, il faut qu'il existe des télégraphistes. Que ferait-on de son père si par malheur il n'y avait plus de percepteur? Pour ne pas être dans ses petits souliers, on a besoin du cordonnier. Pour faire l'andouille et les pieds panés, on a besoin du charcutier. Moi je pourrais vivre à la rigueur sans notaire ou sans plombier zingueur, mais pour être heureuse par-dessus tout, on a besoin de vous. C'est la même chose au concert, au théâtre. Pour un quatuor, faut au moins qu'on soit quatre. Comme nous pour chanter en chœur, il faut bien qu'avec ardeur, on se mette à plusieurs. Pour avoir un petit air détaché, on a besoin du teinturier. Pour être franche du collier, on a besoin d'un joaillier. Pour se taper la cloche avec bonheur, on a besoin d'un carillonneur. Et pour mettre un bémol à la clé, on a besoin d'un serrurier. Si nous décidons de mener grand train, nous aurons besoin d'un mécanicien. Et comment construire le mur du son s'il n'y avait pas de maçon? Pour être dans la note soir et matin, on a besoin de musiciens. Pour que nos cachets soient toujours très bien, on a besoin d'un pharmacien. On pourrait peut-être un jour faire ça.